Pour fêter les 50 ans de l'iconique Z50, qui hérita du surnom de Monkey, car une fois en selle, on ressemblait beaucoup à un singe sur un vélo, Honda propose une version néo-rétro, à l'esthétique particulièrement réussie. Au regard de sa taille très réduite, il nous a semblé très important de bien choisir celui qui allait l'essayer. Mais Eric nous a eu à l'usure. Alors déjà, la première grosse surprise, on va le dire comme ça, parce que franchement, c'est clair, c'est la position de conduite qui est étonnamment ressemblante à ce qu'on pourrait connaître sur une plus grosse moto. En fait, c'est un petit peu comme une Smart, hein, ce Monkey. C'est-à-dire que c'est tout petit comme ça vu de l'extérieur, mais quand on est installé au guidon, bah, on n'a pas du tout le sentiment d'être sur une pocket bike, quoi. C'est vraiment une moto, quoi. Regardez, j'ai les bras tendus, j'ai de la place pour les genoux, j'ai pas les genoux qui touchent le guidon. Ça, vraiment, déjà, chapeau Honda pour ça, parce qu'on n'a pas l'impression d'être sur une moto pour les enfants, quoi. Ouais, alors, il y a un autre truc qui m'a quand même très agréablement surpris, c'est le freinage. Parce que figurez-vous qu'il y a quand même une bonne pression sur le frein avant, ça freine sec. Et puis il y a l'ABS au cas où. En revanche, bon, sur l'arrière, il n'y a pas l'ABS, donc il faut faire un petit peu attention. Mais d'un autre côté, c'est ce qui permet de faire un petit peu le guignol, quoi. Si on a envie d'aller dans la pampa, c'est pas mal. Pas d'ABS sur l'arrière, ça promet des rigolades. Idem au niveau confort. Parce que franchement, au niveau de l'amortissement, c'est impressionnant. C'est pas extraordinaire, mais il y a du débattement. Peut-être même un petit peu trop en ce qui me concerne. Sur les gros freinages, bon, la fourche, elle a un petit peu de mal. Et puis, les grosses compressions, l'arrière. Bon, en même temps, il est mentionné que c'est une moto qui est prévue pour rouler avec seulement 105 kg maximum sur la moto. Donc forcément, c'est pas fait pour rouler à deux. De toute façon, il n'y a pas de, repose qu'à l'arrière. Donc ça, on oublie déjà tout de suite de rouler à deux, puis on aurait quand même l'air un petit peu ridicule. Ceci dit, ça peut devenir drôle. Ouais, ça peut faire rigoler les gens qui passent. En parlant de ça, je me demande bien la réaction de la police. Je suis sûr qu'ils t'arrêtent pas, en fait. Ça doit tellement les faire marrer, quoi, de te voir qu'ils peuvent pas imaginer que tu puisses faire quelque chose de mal. C'est pas possible. D'ailleurs, tu peux rien faire de mal avec ce genre de petite moto, c'est génial. C'est hyper facile, on a les deux pieds qui touchent au sol, la boîte de vitesse, elle est cool. Franchement, le point de patinage et tout ça, c'est vraiment fait pour quelqu'un qui débute. Et franchement, je vais vous dire, si vous débutez la moto avec un permis B, une petite formation, et que vous n'êtes pas très grand, prenez ça. Prenez ça, parce qu'en fait, c'est facile, c'est léger. Si vous calez un moment, bah vous avez tout de suite le pied par terre. C'est pas lourd si vous devez la remonter un petit peu. C'est vraiment la moto-école parfaite pour les permis B, quoi. Et il y a déjà de la réserve. Il y a déjà de quoi s'amuser, vous pouvez me croire. C'est vrai qu'avec un poids de 107 kg en ordre de marche et une hauteur de selle qui culmine à 775 mm du sol, soit 15 mm de plus que celle d'un PCX, le Monkey est plutôt rassurant. Reste qu'avec son monocylindre de 125 cm3, ses 9,4 chevaux et ses 11 Nm de couple, il pourrait sembler sous-motorisé. Après, niveau moteur, franchement, ça envoie, quoi. Moi, je m'attendais pas du tout à ça, en fait. Il y a 4 vitesses, on se retrouve tout de suite à 50 km/h et puis après on passe les autres, quoi. Et du coup, ouais, je vous dis, on se fait un petit 110 quasiment compteur sur une voie rapide, sur l'autoroute. Voilà, je roule plus cool. C'est pas la peine de rouler vite, de toute façon c'est limite à 80. Mais franchement, ça suffit largement. D'autant que bon, quand même, on sent que c'est très vif, hein, du train avant, c'est très court. Les roues sont toutes petites, donc fatalement... ça tourne tout seul, quoi. Et il faut effectivement être un petit peu prudent sur les changements de cap, mais franchement, là, je touche les cale-pieds, quoi. Ah, c'est génial. Non, mais moi, en tout cas, je me marre avec ça. Franchement, je veux pas le lâcher, ce truc. Je me régale. C'est un vrai bonheur à rouler, quoi. Puis il y a une super sonorité, quoi. On dirait vraiment un petit tout-terrain. D'ailleurs, c'est ça. Si vous regardez bien, ça ressemble quand même étrangement à un petit trail, pratiquement, quoi. Le pot d'échappement, très scrambler dans l'âme,
avec la sortie de peau qui fait quand même méchamment penser à une Africa Twin. C'est vraiment une baby Africa Twin, quoi. Bon, j'exagère, d'accord. Mais voilà, quoi. Le concept est là, quoi. C'est super marrant. Et du coup, bah, comme elle a des grosses roues avec des crampons, bah, fatalement, comment vous dire, on a quand même envie de l'emmener un peu dans la pampa, quoi. Bah oui, ça, on se refait pas. Hein. Je suis désolé. Bon, allez, c'est parti, moi, je craque. Hein. Allez, hop, pampa. Bah, c'est pas mal du tout, l'histoire. Yes. Ah. Ouais. Oh, Mario Kart. Mais c'est ça, mais c'est ça. Mais c'est quoi, c'est la vraie vie, ça. Ça, c'est la vraie vie comme petite moto. C'est super, on rigole, c'est cool, quoi. Ça, c'est une petite moto rigolote, quoi. Et pas hors de prix. Parce que, je sais pas si vous avez vu, regardez-moi cette petite finition. Regardez la fiche technique, vous allez voir un petit peu comment c'est soigné, comment c'est joli. Franchement, pour le prix, moi, je trouve que c'est pas mal, hein. Clairement, hein. Le monkey, le 125 qui donne la banane. Voilà un modèle qui, malgré un tarif de 4 099 €, semble promis à un bel avenir. C'est en tout cas ce que laisse entendre l'accueil des premiers 800 modèles destinés au marché français, puisqu'ils ont déjà pratiquement tous trouvé preneur, en seulement 3 mois. We'll be right back.
d'ailleurs, parlons de Mario Kart, j'ai envie de lui balancer une banane. Excellent. Ah, c'est rigolo. Bon, elles sont où les bananes? Ah, allez, vas-y là. Ah, c'est là. Je la vois la banane là, elle est là. C'est super. Ah, les branches et tout quoi. Ah non, franchement, c'est top.